Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Claire de Claire Mêlée Coaching et ce soir je vous fais une vidéo. Donc c'est la vidéo numéro 23 de mon challenge vidéo leadership et dépassement de soi. Et du coup je vous fais cette vidéo un soir, une fois n'est pas coutume, parce que ça fait maintenant bientôt... Ça fait plus d'un mois que j'ai commencé ce challenge vidéo, puisque je l'ai commencé le 19 mars exactement, donc on est aujourd'hui le 22 avril, donc ça fait un petit peu plus d'un mois. Et je suis assez contente de moi, parce que j'ai donc fait 23 vidéos en un mois. Donc c'est vrai qu'à la base, ce défi c'est une vidéo par jour, pendant 90 jours. Mais je suis quand même super contente d'en avoir fait 23, donc avec celle-ci. Parce qu'il s'agit en fait notamment donc déjà de faire ces vidéos, ensuite de les éditer moi-même et puis de les publier, donc ce qui me prend quand même un petit peu de temps de faire ça, ajouter à tout ce que je fais déjà. Donc je me félicite vraiment moi-même, je suis fière de moi, je suis vraiment vraiment très contente. Et non, ce n'est pas un délire égoïste de penser comme ça, ni prétentieux ni quoi que ce soit, c'est simplement que je célèbre avec moi-même. Vous voyez, je célèbre avec moi-même, je suis plein de gratitude envers moi-même parce que ce challenge, ben, c'est vraiment un challenge, c'est le cas de le dire. Et du coup, ça m'oblige à bousculer mes habitudes, du coup à sortir de ma zone de confort. Bon, en même temps, ça me plaît, mais du coup, je m'applique une certaine discipline et une certaine rigueur qui fait que je suis vraiment, vraiment fière de moi. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est très, très, très important d'arriver à célébrer ses réussites. Et à auto-célébrer, à s'auto-célébrer. Parce que vous avez remarqué qu'on a tendance à toujours applaudir les autres. Et par contre, quand c'est pour nous, et bien on ne se rend pas compte du travail qu'on accomplit parfois. Et quand quelqu'un va nous dire « Bravo, c'est super ce que tu fais », on va s'entendre répondre « Bof, non, c'est rien. » Quoi ? C'est pas rien du tout, franchement. Et je suis la première, j'ai une mouche là, voilà. Je suis la première à fonctionner comme ça. Avant, je fonctionnais comme ça. Maintenant, je crois que j'ai atteint un bon niveau de bienveillance envers moi-même. Et je prends le temps, de temps en temps, de célébrer en fait mes réussites, les choses que je réussis. Et ça se passe entre moi et moi-même. Mais c'est un temps qui est super important de prendre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, du coup, je vous partage une technique pour rester motivé constamment. Et sans cette technique, eh bien, c'est extrêmement difficile d'être régulier. Cette technique, c'est de célébrer les petits succès. Donc, en effet, je suis la première à vous dire d'oser rêver grand, de vous fixer de bons objectifs, d'être ambitieux, etc., etc., ce qui est tout à fait vrai. Mais par contre, une clé essentielle, c'est de célébrer chaque jour et célébrer chaque petite, entre guillemets, victoire. Pour moi, il n'y a pas de petite victoire. Et de célébrer chaque étape qui est faite. Ce qui se passe quand on va célébrer, c'est qu'au niveau du cerveau, le cerveau va enregistrer une récompense. Et la récompense est un stimulant, est un carburant vraiment exceptionnel pour le cerveau. Et donc, le fait d'aller de petite réussite en petite réussite va être extrêmement important pour accomplir un grand objectif. Donc, ce sera le conseil leadership du jour. Célébrez vos petits succès, célébrez chaque jour. Vraiment les étapes que vous avez accomplies. Déjà ça permet tout simplement au quotidien de nourrir un sentiment d'épanouissement, de joie et de succès, parce que de se dire tous les jours tiens, ça a avancé, ça c'était un petit truc mais je l'ai fait, c'était pas grand chose mais en même temps c'est fait. Et finalement je vous reparlerai une autre fois de l'effet cumulé, mais c'est tout simplement une petite chose faite tous les jours et a beaucoup plus d'impact que un pas de géant qu'on fait une fois dans notre vie. Donc retenez bien ça, célébrez vos succès, célébrez vos petites étapes. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain pour la 24e vidéo. Si vous voulez vous abonner bien sûr à cette chaîne, n'hésitez pas, on est déjà plus de 45. Donc voilà, rejoignez-moi, ça me fera plaisir. Je vous embrasse, bonne soirée, ciao.